Bernier. Adam Cassel, c'est le responsable du poste de secours. Je connais bien sa mère, Eve. Elle est juriste à Paris et a une maison de vacances sur la plage un peu plus loin. On était avec lui hier soir. On a tous dîné à la maison. On, c'est qui? Ingrid et Sandro, les deux sauveteurs qui bossent avec moi. Je suis responsable du poste de secours numéro 4. Jérémy était avec vous jusqu'à quelle heure? 22h30. On l'a déposé chez lui et on est parti à Arcachon faire la fête. On va chez lui. Je vais vous demander de nous servir de témoin pour la perquisition. Votre mère vous a entendu rentrer, elle nous l'a dit. Elle avait le sommeil léger. C'est pour ça qu'elle avait toujours des somnifères. Et le lendemain matin, vous l'avez vue avant de partir pour la plage? Oui. Mon frère venait d'arriver de Paris pour récupérer son fils. Vous étiez à Arcachon avec Ingrid et Sandro, c'est ça? Oui. Et pendant qu'ils étaient dans les dunes, vous faisiez quoi? Vous teniez la chandelle? Je buvais des coups avec d'autres potes que j'ai croisés. Il va nous falloir leur nom. Je connais surtout leur prénom. Bah voyons. Pourquoi vous avez changé de t-shirt au cours de la soirée? Il y a un gars qui m'avait renversé son verre de vin dessus. J'ai toujours des fringues de rechange dans la voiture. Le nom de ce gars, vous le savez ou vous connaissez que son prénom? Il s'appelle Arthur Renan, il est sauveteur à Arcachon. Qu'est-ce que vous cherchez à la fin? Ma mère a tout avoué, elle est morte. Merde, ça vous suffit pas? Elle aurait jamais fait ça! Sauf pour vous protéger. Quoi, tu les as pas fait? Mais si, qu'est-ce que tu crois? Que je t'ai attendu? Tu pars à quelle heure? Comme d'habitude. Tu crois que je me souviens de tout? Tu peux dire en ce qui te concerne? En ce qui concerne les rendez-vous que tu me donnes et que tu viens pas? Je suis désolé. Désolé pourquoi? Pour hier soir ou pour toutes les fois où t'es pas venu? Ok, c'est ce matin. Des foules ce matin, c'est ça? Qu'est-ce que je peux faire? Je fais juste mon boulot. Même pas vrai boulot. Flic. C'est con ce que tu viens de dire. Je sais. Je peux pas faire autrement. Tu comprends, non? Avec maman, ça se passerait pas comme ça. Pourquoi tu dis pas qu'elle te manque? Pourquoi on n'en parle pas plus souvent? T'es jamais là. Comment tu veux qu'on parle? Juliette, regarde-moi. Regarde-moi. Dis-moi. J'arrive pas comme ça. Tu crois toujours que c'est moi qui l'ai tué, hein? En fait, t'as pas bougé d'un millimètre. Tu crois toujours que c'est moi qui ai tué ta mère, c'est ça? Je suis sûre de rien, en fait. Je vais te présenter quelqu'un. Un collègue de boulot. C'est pas un ami. C'est pas un ennemi non plus. Juste un flic, comme moi, mais dans un autre service. Et on s'aime pas. Vraiment pas. C'était un amant de ta mère, avant qu'on se marie. Et il n'a jamais supporté qu'elle me choisisse, moi plutôt que lui.
Tu pourras lui demander tout ce que tu veux. Tout ce que tu cherches, tu l'auras. Et une fois que ça sera fini, on en reparlera. Ok? Ça me va. Fini, tu vas être en retard.